Donc on se retrouve dans la deuxième partie donc du tuto du sac. Donc voilà, donc là on va venir faire la pochette. Donc là c'est un petit peu plus court, ça sera mieux. Donc j'ai déjà préparé les papiers. Donc j'ai pris du coup un papier doré, donc qui fait normalement 13 sur 8,5 si je me trompe pas. Ouais, 13 sur 8,5. Par contre en inch j'ai pas fait. Là, j'ai pas suivi le tuto. J'ai fait une autre. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas les inch. Donc on va faire un pli de. Ben, je sais plus déjà. Si je sais. On fait un pli dans les 13 à 1 cm. Ça sera dans les trois côtés en fait. On fait un pli 1 cm et 1,5. Hop, on retourne. Enfin, on tourne tout simplement. Oh, 1 cm, 1,5. Et dans le troisième côté, pareil, 1 cm. Et 1,5, et j'ai oublié de brancher mon pistolet à colle parce que sur ce papier là la colle c'est une catastrophe, ça ne coule pas. Donc du coup je vais faire avec mon pistolet à colle chaude, hop, ça sera beaucoup mieux. Donc là on va venir marquer déjà dans un premier temps nos plis. Alors, j'ai pensé au niveau des embellissements, ce que je vais faire, parce que dans mon dernier haul AliExpress, donc sur Halloween, vous avez été donc du coup nombreuses à répondre à ma question, est-ce que vous voulez que je vous fasse les dies en démo. Donc vous avez été nombreuses à me dire bah oui. Donc du coup, bah, en embellissement, je vais la plupart, bah ouais, ce sera pratiquement que ça, je vais me servir du coup pour faire les embellissements du sac. Avec les dies là, comme ça, du coup, vous verrez le rendu en même temps. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc là, on vient biseauter les angles. Là, comme ça, dans les vidéos, j'ai pas besoin de faire 50 vidéos présentation. Ça sera fait bah, tout là-dedans, en fait. Hein. Hop, donc là, pareil. On vient biseauter à chaque fois légèrement. On a fait un petit rabat, donc ça sera beaucoup mieux. Je sais pas si mon pistolet est déjà chaud. Je vais venir déjà coller, mettre une petite pointe, de colle ici et là pour venir déjà coller les rabats comme ça entre eux. Ah, j'ai plus de colle bien sûr. Hein. Une petite épingle. Ah non, c'est un truc gros, ça passe pas. Oh. Je peux pas. Alors ce papier, c'est vrai qu'ils sont beaux, ces papiers-là pailletés, mais alors pour les coller, c'est franchement, c'est pas évident. À la colle, j'ai, bah, impossible en fait. Peut-être avec du scotch. Voilà, donc comme ça, la pochette. Faite, donc on va venir. Donc je vais venir coller ça, mon petit scratch. On va venir donc le coller. J'ai pas approximatif. Bon. Attendez, je fais juste ça, que je fais mes petits repères.
pense que là comme ça c'est bien. Je vais juste me faire un petit repère. Bien sûr, je tombe dans les couleurs noires. Donc je me fais ainsi. Voilà. Allez. Donc là, je vais ouvrir pour venir du coup mettre ma main tout de suite par derrière. Pour venir appuyer. Oh. Hop. Alors j'ai dit ici et là. Voilà, et on va venir faire du coup la petite pochette donc pour fermer. Qui mesure 9,9 sur 8 normalement. Je vérifie toujours maintenant. Ouais, 9,9 sur 8. Donc je vais vérifier avant. Je voulais vérifier avant si ça rentrait. Ouais, c'est bon, ça rentre. Et on va venir faire donc dans les 8. On vient faire un pli à 4,5. Ouais. 4,5 et à 5. Donc pareil, on peut toujours faire notre petit rebord de 0,5. Voilà, on vient bien marquer le pli. Voilà, donc le petit côté va aller à l'intérieur et le plus grand à l'extérieur. Nickel. Et puis je vais venir donc ici arrondir les angles. Voilà. Et je viens, donc là je vais mettre de la colle. Coller tout ça. Voilà. Hop, donc là c'est pareil, je vais venir à l'intérieur. Donc là voilà, même chose. On laisse soit comme ça, on vient recoller du papier comme là. Mais bon, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà. Et on va venir mettre. Donc on vérifie, pas de souci. Voilà, je les ai rangés. Donc, on vient mettre une petite. Une petite oh, bah alors aidez-moi un petit scratch. Voilà. Merci beaucoup. Donc là j'ai mis j'ai pas fait à la colle du coup, hop, je l'ai fait à la colle chaude, ça va aller beaucoup plus vite aussi pareil. Et puis comme c'est sur mon papier pailleté, de toute façon pas trop le choix. Voilà, je vais attendre deux petites minutes, temps de ranger ça, et puis ben voilà. Mais c'est vite là, hein. La deuxième partie, et ben voilà, elle est faite. Elle est faite, elle est faite. Donc voilà, du coup, ce que ça nous donne. Donc ça fait un petit rappel. Du doré, hein. Je vous remontre. Hop, le derrière, donc, tout est bien collé. Bien laissé sécher toute la nuit, donc du coup bah voilà, nickel. Alors est-ce que c'est sec? C'est sec, voilà. Donc, comme ça on peut glisser. Ah, on peut peut-être mettre une petite ATC, tiens, dedans. J'ai plus les dimensions, j'ai plus combien ça mesure une ATC.
te voir. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je vais regarder. Je vais regarder si les ATC, ça rentrerait dedans. Comme ça, on pourrait faire une ATC ensemble. J'ai entendu. C'est ma première, mes premières ATC. Et ça rentre nickel. Ah bah tiens, on fera une petite ATC ensemble. Bah ouais. Donc du coup, ouais. Voilà. On fait un embellissement en plus. Pour mettre dans la petite pochette. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc bah écoutez, bah voilà, ça finit toujours. Ouais. 11 minutes, nickel. Pour la deuxième. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, et ben on va commencer les embellissements. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.